Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tête à Tête, l'émission qui parle de sujets socioculturels sans nous prendre la tête. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à l'IVT, l'International Visual Théâtre, où j'ai l'immense honneur de rencontrer Emmanuel Laborie, qui remonte pour la première fois sur scène depuis 2013, nous présenter son nouveau spectacle « Dévaste-moi ». Emmanuel Laborie, bonjour. 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 Vous êtes actrice. Alors, c'est vrai que Dévaste-moi est une création suite à ma rencontre avec Johan Hibert, hein, qui est le metteur en scène. Nous nous sommes rencontrés et il m'a convaincue. Il m'a dit, il faut qu'on te voie sur scène. Et c'est vrai que moi, mon rêve, c'était le chansigne, parce que c'est un art typiquement sourd. Hein. Les sourds peuvent tout à fait visuellement transposer de la chanson, donc qui n'est plus auditive, mais visuelle. Hein. Et le fil conducteur hein, est la femme, hein, le corps de la femme, hein, la relation de la femme avec son corps, ses difficultés, ses plaisirs, ses découvertes, ses parcours, ses combats également. Donc ce sont des chansons qui ont été choisies dans ce sens-là, et c'est une proposition au public de faire un voyage avec moi. Voilà. Vous êtes actrice, comédienne, auteure, metteur en scène. Vous êtes également la directrice de ce théâtre, l'International Visual Théâtre, depuis 2004, qui est le premier théâtre en France dédié à la langue des signes, aux arts visuels et corporels, mais qui est également une maison d'édition et un centre de formation à la langue des signes. Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de ce théâtre ? Alors, c'est un lieu qui existe depuis maintenant 40 ans. Cette association a été créée il y a 40 ans et c'est là où j'ai découvert la langue des signes, petite, ainsi que mes parents entendants. D'autre part, c'est vraiment le cœur de la culture. La culture, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est toujours très lié à la langue, donc à la langue des signes. Donc la culture de la langue des signes. Et une langue ne peut pas exister sans la culture. Et en fait, c'est un noyau. C'est un noyau, donc la rencontre de la langue des signes avec d'autres formes artistiques. Donc c'est pluridisciplinaire. Donc ce sont des rencontres et qui vont faire des propositions que nous présentons au public. D'autre part, c'est un lieu où les gens peuvent venir apprendre la langue des signes. La langue des signes est une langue pour tous, qui s'apprend, qui se partage, avec laquelle nous pouvons parler de philosophie, de politique, de la vie. Voilà. Et est-ce que parmi les comédiens qui font partie de ce théâtre, il n'y a que des malentendants ou les entendants peuvent également faire partie de la troupe ? Les deux, moi je suis très très ouverte. Nous parlons de rencontres. Bien sûr, il y a des créations qui sont typiquement sourdes avec des comédiens sourds uniquement, mais le metteur en scène peut être entendant, il peut y avoir également des musiciens, donc entendants. Vous savez, les formes peuvent être très diverses et variées. La rencontre, c'est la rencontre entre deux différences, et c'est ça que j'aime. Donc vous m'avez dit que le théâtre a 40 ans, c'était quand même un pari assez fou de faire applaudir par des entendants un spectacle donné en langue des signes à l'époque. Oui, c'était complètement fou, en effet. Mais en même temps, quelle chance! C'est Jean Grémion et Alfredo Corrado. Pas uniquement tous les deux, hein, tous ceux qui ont travaillé ensuite, Thierry Jouneau, Jean-François Labouverie, c'est l'équipe d'IVT qui a vraiment été très importante pour porter ce projet, pour porter IVT. Au départ, ça avait l'air d'être quelque chose d'assez léger, or il fallait quand même obtenir la reconnaissance de notre gouvernement et du public. C'était une bataille qui a été difficile, mais maintenant, voilà, nous avons une reconnaissance et un respect. La culture est fragile, on le sait tous, elle est fragile pour tous, même pour les entendants. Et la culture étant quelque chose de fragile, il faut savoir résister. Et nous avons résisté tout ce temps-là. Voilà. Oui, parce que je rappelle à nos téléspectateurs que la langue des signes a sa propre culture. Oui. Oui, beaucoup d'entendants sont intrigués, mais effectivement. Et quand on apprend la langue des signes, quand on commence à rentrer dans ce milieu-là, ça devient évident. Et je trouve que ce n'est pas un pari si fou que ça de créer un théâtre dédié à la langue des signes, parce qu'on sait que cet art scénique demande l'occupation de l'espace et de son corps, et ça coule de source quelque part que les malentendants qui ont une maîtrise, on va dire, parfaite de l'espace et de leur corps, commencent à s'intéresser, ou s'intéressent déjà depuis quelques années à cet art scénique et le théâtre.
savez, quand on voit ça de loin, on peut trouver ça normal que les sourds soient comédiens, qui sont comédiens de nature par naissance. Non, la langue des signes, effectivement, utilise l'espace, le corps, les expressions du visage. C'est une langue en trois dimensions. Mais on ne naît pas comédien parce qu'on est sourd. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Et nous avons d'ailleurs mis en place des masterclass qui commenceront dès l'année 2018, qui ont pour objectif la transmission de nos connaissances, du savoir que nous avons acquis pendant 40 ans sur les arts visuels, sur l'art de la langue des signes, l'art sourd. Donc en fait, ce seront des cours autour de la mise en scène, comment développer une idée sur un plateau. Donc nous allons pouvoir donner des outils de travail auprès de ces personnes pour qu'ils puissent continuer ce combat et ce travail. En tout cas, c'est un très beau projet, Emmanuel. Parlons de Dévaste-moi, votre prochain bébé, votre prochain spectacle. Vous y chansigniez un répertoire éclectique et savoureux. Je n'ai pas eu la chance de le voir puisqu'il est actuellement en répétition. Alors donnez-moi l'eau à la bouche. Alors, donc je travaille avec le Delano Orchestra, qui est un groupe de musiciens. Je pense que sans eux, le projet n'aurait pas pu aboutir du tout. Tout simplement parce qu'ils sont sur scène et nous travaillons ensemble. Nous sommes ensemble sur la scène. La musique, la langue des signes, tout cet aspect visuel, tout fait un tout. Et c'est une proposition. Et j'ai besoin des musiciens. S'ils n'avaient pas été là, si ça avait été de la musique enregistrée, je n'aurais pas eu le véritable lien. C'est un lien physique. J'ai besoin de les voir autour de moi, de les sentir présents. Nous travaillons ensemble. Alors, Joanne Hibert a beaucoup réfléchi sur comment donner au public l'envie d'entrer dans ce domaine. C'est un spectacle qui est ouvert pour les sourds et pour les entendants. Alors, bien sûr, il y a la référence musicale propre aux entendants. Or, là, on va leur faire des propositions visuelles de ces textes qu'ils connaissent d'une façon auditive. C'est une autre interprétation que nous allons leur proposer. Donc, en fait, ce sont des chansignes, donc visuelles. Les sourds, quant à eux, n'entendent pas la musique. Enfin, ça va dépendre aussi des individus. Chacun a un rapport très différent à la musique qui est très personnel. Et donc, là, on va leur permettre de découvrir des chansignes. Vous savez, la langue des signes a ses codes, elle a son cadre, elle a sa grammaire, sa syntaxe. Et justement, lorsque l'on travaille d'une façon artistique, on peut se permettre de détourner un peu ces cadres, de les manipuler, de les transformer, de les travailler. Donc on va présenter des choses que beaucoup de personnes n'auront pas compris ou comprises, mais qu'ils vont découvrir. Voilà, et donc ça va être une découverte autant pour le public sourd que pour le public entendant. J'ai lu que vous étiez fan de Michael Jackson, Alain Bashung et La Calas. Qu'est-ce que vous aimez chez eux? Est-ce que vous imaginez leur voix? Alors, là, les personnes dont vous me parlez, justement, me permettent, moi, d'imaginer leur voix. Si, 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 en effet. Je l'imagine belle, mais pas uniquement la voix. Visuellement, on voit comment ils travaillent, on voit leur façon de s'exprimer, de ce qu'ils veulent dire, le message qu'ils vont transmettre. Moi, Bashung, je l'ai rencontré en personne puisque nous avons travaillé ensemble sur un film. Donc, je l'ai découvert, lui, qui était d'une très grande timidité. On a eu une relation très agréable et c'est vraiment un homme de poésie qui m'a beaucoup touchée. Et c'est pour ça que j'avais très envie de travailler ses chansons parce que je l'ai rencontré personnellement. La Calas, c'est grâce à mes parents qui adoraient, et toute ma famille adorait la musique. Ils ne m'ont jamais dit « Oh, parce que t'es sourde, c'est pas la peine que tu regardes ça ». Au contraire, ils m'amenaient avec eux et j'ai découvert. J'en ai pleuré quand je l'ai découverte parce que j'ai trouvé une émotion, une énergie chez elle très forte. Michael Jackson, parce que en fait, lui, il réfléchissait tout. Son costume, sa façon de bouger, ses clips, le montage, les danses, qui étaient vraiment très personnelles. Il avait un style très particulier qui a révolutionné quand même le monde de la musique. Donc, vous voyez, je parle d'individus qui m'ont touchée, moi, personnellement. Voilà. Je vais continuer mon interview sur l'aspect sociétal. On se souvient tous de votre discours lors des Molières 1993 pour les enfants du silence qui a été bouleversant. Vous avez dit dans votre discours que vous souhaitiez du changement
pour les sourds et les malentendants. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une évolution de ce côté-là dans la société française depuis 1993? Eh bien, c'est une très grande question. Je dirais oui et non. Il y a des choses qui ont évolué au niveau des lois, mais les lois doivent être suivies de décrets d'application. Or, on est vraiment très, très en retard. Alors, peut-être parce que j'étais jeune et naïve, je me disais que ça pourrait avancer très, très vite, évoluer vite. Nous sommes en 2017. Eh bien, non, on n'a pas fini. L'enseignement de la langue des signes pour les enfants, c'est 5% des enfants sourds à travers la France qui bénéficient d'un enseignement en langue des signes. On ne peut pas dire qu'il y a eu énormément de progrès de ce côté-là. Oui, nous sommes dans une démocratie, mais nous n'avons pas le choix. C'est vrai que les parents n'ont pas ce choix. Il y a encore des personnes sourdes qui, comment, on ne va regarder que le côté médical, donc de la surdité. Ça me rend triste. Ça me rend triste parce que je pensais qu'en France, on était quand même beaucoup plus avancé dans nos mentalités. Bon, voilà, il y a encore du travail. J'allais vous demander si la France était bonne élève ou pas bonne élève. Est-ce qu'un pays est en avance par rapport à nous dans, dans cet aspect-là de la langue des signes? Oh oui, 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 il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus en avance, oui. Ne serait-ce que pour le métier des interprètes. La prise en charge ne vient pas de l'État, il ne prend pas en charge l'interprétariat. La France est très réticente pour cette prise en charge. Pour ce qui est de l'accessibilité en règle générale, le centre téléphonique, centre relais téléphonique, c'est-à-dire que ça permettrait à téléphoner à un interprète qui puisse passer un coup de fil. Aux États-Unis, ce service existe 24/24, 7 sur 7, hein, et c'est gratuit. Par exemple, en France, ça n'existe pas. C'est très difficile de le mettre en place, ce service, de mettre en place la gratuité de ce service. Et vous savez, ma liste est très très longue de toutes choses qu'il faut faire avancer. La télévision, la langue des signes n'est pas visible, ou très très peu. Donc vous voyez, on est encore loin, loin du but à atteindre. Ouais, elle est uniquement visible sur la 2 ou la 3 ou les chaînes politiques parlementaires. Vous voudriez l'étendre à, j'imagine, toutes les chaînes. Bien sûr. Mais vous savez, ce qui est important, c'est également pour les entendants. Parce que la langue des signes, très souvent, on dit « Ah ben, c'est la langue des sourds ». En effet, elle nous est vitale. C'est un besoin vital en ce qui nous concerne. Mais il y a des sourds qui sont bilingues, qui ont besoin de la langue des signes et qui peuvent parler. Tout va dépendre des personnes. Et c'est tant mieux, tant mieux. Mais il y a les entendants aussi qui en ont besoin de la langue des signes. C'est une autre langue qui permet de s'exprimer différemment, qui peut les concepts et tout ça est transmis sans la voix. Donc je trouve que c'est juste magique pour les entendants. Et les entendants voient la langue des signes à la télévision, n'auront pas peur de rencontrer un sourd dans la rue également. Si on ne connaît pas la langue des signes, on ne connaît pas les sourds, et quand on les rencontre, on se dit « Oh là là, c'est quelqu'un de différent » et on est mort de peur. Merci beaucoup Emmanuel. Je me souviens de votre signe au moment des Molières, « Unir ». J'aurais aimé que vous m'appreniez peut-être 2 ou 3 mots en langue des signes. Merci. 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 À bientôt. À bientôt. Comme ça. À bientôt. Oui. Et je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. À bientôt. Et pour terminer mon interview, je vous remercie d'être resté avec nous dans ce moment pour Tête à Tête, l'émission qui parle de sujets socioculturels sans se prendre la tête. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. N'oubliez pas, il faut être unis. Merci et à bientôt. So tell me how you I'm from your village, so tell me.